La vaccination en masse est en marche. Les réactions des Français sont très diverses. Nos équipes de reporters sont sur le coup. Voici les images. Pardon, madame. Ouais, j'ai pas le temps, j'ai fait mes courses. Non, mais c'est juste une petite question. Oui, alors vite fait. Qu'est-ce que vous pensez du vaccin? Rien, j'en pense rien. Non, mais vous n'en pensez rien, ça n'a pas changé quelque chose pour vous? Ah, si, ça a changé des choses. Ah, ben quoi? J'invite plus ma belle-fille pour manger le dimanche, pour goûter le poulet, jamais. Mais je ne vois pas le rapport. Ben, elle est vaccinée. Vous voulez qu'elle le refile à tout le monde, ce vaccin? Allez, j'ai pas le temps. J'ai fait mes courses. Le vaccin? Ah, mais je suis pour, moi, le vaccin. Mais attention, pas n'importe quel vaccin. Le Pfizer, uniquement le Pfizer. Attendez, Pfizer, c'est eux qui ont fait le Viagra. Alors, il y a des gens qui disent qu'on manque de recul sur les vaccins. Moi, mon mari, quand il a pris du Viagra, je peux dire que j'en ai eu du recul. Pfizer. Oui, Mireille. Quoi? La télévision. La télévision? Qu'est-ce qu'on pense du passe sanitaire? Ah, mais qu'est-ce qui passe sanitaire? On est pour, regarde, on l'a toujours. Si on a le contrôle, on est prêt. Le passe sanitaire, regarde, moi j'ai aussi. Toi, c'est bien pratique. Ah, ben, j'ai... D'habitude, il l'a jamais, mais là, il l'a. Et ça permet de tout faire, c'est la liberté, le passe sanitaire. Et, tiens, par exemple, si on veut aller au restaurant. On voudrait y aller au restaurant. On voudrait y aller, mais on pourrait y aller. Oui, à part qu'il ne veut pas y aller. Et non. Il dit que je cuisine mieux. C'est vrai. Mais on voudrait prendre de l'avion. On voudrait prendre de l'avion. Mais pareil. Et bien, le prendre d'avion. Mais toi, tu ne veux pas le prendre d'avion. Ah non, ça j'ai peur de l'avion. Parce que tu trouves que je pilote mieux. On voudrait aller voir ta mère. Oui. Si elle n'était pas morte, si elle n'était pas morte, on pourrait y aller. On ferait ce qu'on voudrait avec le passe sanitaire. Et ouais. À la maison, ça sert. Oh là oui. Alors là, à la maison, à la maison, Mireille, elle veut rentrer dans le garage. Mireille, on veut rien dans le garage. Tu l'as le passe sanitaire, montre-le si tu l'as. Il fait le malin, mais à la cuisine, il rentre pas. Non, c'est vrai que tu rigoles pas. À la salle de bain, des fois, il reste coincé avec sa serviette dans la salle de bain s'il trouve pas le bain. Il rentrera pas. Il fait moins le malin. Ça nous a rendu libre. Complètement. Surtout, ça nous a occupé, ce passe sanitaire. Et oui, parce qu'avant, on s'emmerdait. On se faisait chier avant. Maintenant, on se contrôle.